Pour que la mer dévoile ses mystères, il faut attendre que la marée soit basse, s'aventurer parfois en pleine nuit, puis en marchant à l'aveugle sur une centaine de mètres. Voilà la bestiole. On découvre une carcasse, l'épave d'un sous-marin allemand, l'UC-61, échoué sur la plage de 800 depuis 100 ans. Ça devrait être la partie avant. On voit bien d'ailleurs la partie arrondie où vraisemblablement, mais ce serait à confirmer, c'est l'endroit où se trouvaient les tunnels dans lesquels on mettait les mines. Et la partie de devant, de l'autre côté, on aperçoit aussi le tunnel qui est plus petit. Une épave rouillée, rongée par la mer, réapparue au gré des vents. Dès que le jour se lève, quelques curieux viennent admirer le submersible. Céline est la première, elle pratique le longe-côte à 800. C'est impressionnant et c'est un moment d'histoire aussi qui réapparaît en fait aussi. Le 26 juillet 1917, ce sous-marin longe les côtes nordistes et s'échoue pris au piège par des filets de pêche. Il est ensuite bombardé et disloqué par l'armée belge. Les 26 hommes d'équipage sont indemnes et faits prisonniers. S'il ne reste qu'une partie de l'épave, le submersible mesurait 50 mètres pour 545 tonnes. Un engin de guerre redoutable, un joyau de technologie. Voilà, le sous-marin tel qu'il était en 1917, l'intérêt de ce sous-marin, c'est que c'est un sous-marin mouilleur de mines. On aperçoit les puits à mines qui se trouvent sur la plage avant. Dans ces puits, il y avait l'équivalent de 3000 de 200 kilos chacune. Combien de temps l'épave restera-t-elle visible? Où se trouve le reste de la carcasse? Le sous-marin de 800 conserve encore quelques mystères qui s'offrent à la vue des passants au fil du temps et des marées.